nous sommes de retour. J'espère que vous allez toujours bien sur l'antenne de l'Eclipsa TV. Ça nous fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Je suis Lège, votre hôte pour ces LCS. Non, pour ce championnat du monde. On n'est pas lors des LCS. C'est la troisième journée championnat du monde. Les équipes internationales se rencontrent et nous avons droit à des matchs incroyables. Un peu moins incroyables tout de même. Cette game précédente qui opposait les Samsung White au AHQ. Une game rapide, encore une fois, pour cette équipe coréenne qui nous aura fait au final deux games en moins de une heure de victoire éclair de la part des Samsung White. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie, messieurs? Un stomp, encore une fois, une domination de la part des Samsung, où il y avait quand même un petit espoir du côté HQ. Je pense pas qu'il y ait eu réellement d'espoir. S'il y a eu de l'espoir, il y en a eu vraiment pendant, allez, deux minutes sur le First Blood. Sur le First Blood. À partir du moment où le First Blood a été chez Blitzcrank du côté HQ et sur Lucian du côté Samsung White, là, l'espoir s'est envolé. T'as nul le colombe divine. Encore une fois, on a vu un Blitzcrank de la part de Green Tea avec l'association avec le Twisted Fate, le Hull 6, etc. Ça peut créer justement des bons gangs, ça peut faire une bonne transition pour le Drake. Ils ont essayé de faire ça. C'est pas passé parce qu'on a eu un beau regroupement de la part des Samsung White. Ils ont réussi à prendre le Drake, mais malheureusement, ils se sont fait défoncer derrière. On va regarder ça justement en replay. On va commencer avec le First Blood de cette partie. Justement, tu en parlais, mon cher Twix, un 1 pour 1 sur la bottom lane. Alors, il faut recontextualiser bien sûr les choses sur... non pas une invade, mais on va dire un affrontement frontal, un flash tech de Bush. On a Mata qui a cramé son flash directement pour être safe et ne pas se prendre de gold card et de grab de Blitzcrank. Donc du coup, en conséquence, bien entendu, sur dès le level 1, en fait, bottom lane, le focus, voilà, transition level 2, ça passe directement. La transition level 2 aussi se fait du côté Samsung White, le grab passe sur Garnet. David, on voit ici Mata qui arrive à tanker, à brain un petit peu avec la line of sight parce que la ward juste en dessous est très mal positionnée. Mais comme je le disais au début, ça ne change rien vraiment à l'équation. C'est du 1 partout avec un kill. Certes, le First Blood, donc un peu plus d'argent qui part sur Green Tea et l'autre qui part sur Imp. Le déséquilibre est déjà fait dans la bot lane. Et c'est déjà un problème justement cette bottom lane. On a récupéré les golds sur le Lucian et on l'a récupéré sur le Blitzcrank. Évidemment, ça sera favorable à l'équipe Samsung. Domingo, cette bottom lane, justement, il y a eu de l'action un petit peu. Ouais. Il y a eu beaucoup d'action dans les premières minutes. Moi, ma vraie question et mon interrogation, en fait, c'est le pick Jinx. Parce que Blitz, il est très bon avec, Twisted Fate aussi, ils sont capables de beaucoup d'écal, beaucoup roam. Et je vois pas ce qu'apporte une Jinx. Parce que je trouve que cette bottom lane, Blitz, Jinx, justement, c'est fort dans la victoire. Dans l'égalité, c'est pas mal. Mais dans la défaite, une Jinx ne servira à rien. On aurait pris un Corki, par exemple, pour l'early mid game. On aurait pu avoir ce burst. On aurait eu le kill, là, indirectement, justement. Or que Jinx. Elle avait démarré au Z, enfin là ils étaient level 2 ou 3. Elle avait les Chompers, je crois. Je crois qu'elle avait les Pyromasheurs. Ils étaient level 2. Ouais, donc, du coup, le trade se fait level 2. Voilà, il n'avait pas Alza, elle a des auto-attaques, mais qui ne sont pas non plus. Lucian fait bien plus mal à ce niveau-là. Un Corki aurait pu vraiment faire la différence. Les mitraillettes qui permettent à Blitz de taper un peu plus fort aussi. D'ailleurs, on a quand même un mid-game pour Corki qui est pas mal du tout. On peut prendre des bons kills justement très rapides. Or que là, Jinx, à chaque fois, elle essayait de charger. Sa Death Rocket, elle se faisait instant un coup sur deux en la chargeant et c'était fini. Donc un mauvais choix de carry AD justement, on a rajouté du CC avec les Pyromasheurs, trop late, zap, peut-être. Avec le level 6 bien sûr, pourquoi pas avec le Burst, ça pourrait être pas mal. Mais le Corki pour toi aurait été une meilleure idée et je suis pas forcément désaccord avec toi, je pense que d'ailleurs c'était plutôt une bonne idée pour rajouter du Burst, des dégâts parce qu'on avait le CC avec Blitzcrank et avec les décals de TF. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, de toute façon le match-up Lucian contre Jinx n'est même pas à prendre en fait, il n'y a même pas de test, le 1v1 est largement gagné par Lucian. Et en plus de ça, la Jinx aurait pu mieux se débrouiller s'il y avait eu autre chose en support lane, une Nami par exemple, ou quelque chose de plus défensif, puisque Jinx n'est pas un carry AD qu'on peut considérer comme étant indépendant véritablement, parce qu'on n'a pas de mobilité outre, on va dire, les resets qu'on peut avoir en teamfight, ce qui la rend très, mais alors très vulnérable en face de lane. On a un petit désavantage hein, pendant les 5 prochaines minutes de la partie, on va aller directement à la 9e minute et à la 10e seconde. On est très très au 9e minute, 10e seconde. Et là, c'est Imp hein, qui déroule avec Mata, bien entendu. On a Kha'Zix qui est juste derrière. Le grab qui passe ici. Lanterne. Adios, messieurs. Et la gold card. Et là, le kill quand même récupéré par notre cher West d'or. Bon gank, au final, on arrive à décaler bon sur un bottom lane. Et on peut transitionner sur le dragon. Et ça transitionne justement sur le dragon. Mais on sait par expérience que sur cet timing-là, depuis c'est maintenant la 5e game qu'on voit la 6e game qu'on a vu de Samsung. Ils ont l'habitude de nettoyer la team adverse sur ces timings-là, sur les early Drake. Alors ici, comment ça se passe? On a le téléport in de la part de Ryze qui s'amène, le grab qui passe directement sur Jinx. Là, on essaie de smite steal, bien sûr, avec Dendy, mais ça ne passera pas. Ils ont au moins réussi à sécuriser leur Drake. Mais là, on a Looper qui est free DPS en AOE avec un Darder et deux Doran
Il est en train de nettoyer juste le droit. Et là, Katerina qui jump, qui jump, voilà. Qui prend les kills, qui en prend un et qui concrétise trois assises supplémentaires. Poon qui nous avait sorti quand même un pic qu'on n'avait pas encore vu lors du championnat du première monde. Première fois. Ouais. Première fois, c'était une composition intéressante, hein, comme le notait DFG et Domingo sur le cast. On a une kill qui peut mettre son ultimate sur la Katarina, etc. Sur le Kha'Zix aussi, ils peuvent sauter, ils peuvent ramasser les kills. Il y a du reset. On le voit bien que, on le voit moins que sur une Tristana par exemple. Vous avez noté cette comparaison. Ça nous surprend justement de voir une Katarina jumper. C'est beaucoup plus spectaculaire et effectivement avec des joueurs mécaniquement aussi bons, c'est un pic qui est dangereux. Mais on ne m'attendait pas à voir le combo comme ça. Enfin, je vois pas, la synergie pour moi elle n'est pas évidente avec une Kayle parce qu'une Katarina qui absorbe les dégâts, qui a un peu focus, qui a un peu go in et mettre son Death Lotus directement dans le teamfight. Ok, mais pour moi le problème c'est qu'elle se fait interrompre. Du coup, d'habitude on voit le Black Shield avec Morgana pour partir avec une Katarina en mode, voilà, en mode Banzai. Là j'ai... On n'a pas vu vraiment de Katarina en Banzai solo. Le jump, etc. Et puis après, on absorbe le maximum des dégâts avec le jungler. Voilà, on absorbe un petit peu tout le potentiel offensif. Une Katarina, c'était quand même ballsy comme pick ici, avec le Blitzcrank, le Twisted Fate, Gold Card. Il y avait de l'interruption de possible, hein, tout de même. Mais bon, la gestion en teamfight, elle est tellement bonne chez Samsung. Voilà, les HQ ont vraiment misplay, hein, je trouve, surtout justement. Enfin bon, c'était un peu dommage, ils ont un peu laissé justement cette Katarina en focus de Mata. Et même Westdor qui a flashé pour finir Mata, alors que bon, ils sont tous retrouvés dans la box. C'est le capitaine, il faut le tuer. Voilà. C'était un peu catastrophique comme fin de fight. On a réussi à récupérer le Drake, mais c'est à partir de ce moment-là où l'écart s'accroît entre les deux équipes. On va se diriger à 19e minute et 30e seconde. C'est un gros clean-up de la part des Samsung White. Et à partir de ce moment-là, on arrive à prendre le Nashor. Je suis encore là. On arrive à prendre le Nashor et l'écart est de plus de 10 000 gold à la 20e minute de jeu. On va directement donc pour ce troisième replay. Et après, on se dirigera vers la prochaine partie. Bah, c'est déjà nettoyé. Ça m'a mis beaucoup de temps d'un autre côté, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, c'était extrêmement rapide. Voilà, en régime, notre cher Amaury, né le 27 septembre d'ailleurs, on l'a pris hier, nous remet ça un petit peu en arrière. On voit déjà le map control des Samsung White qui est juste parfait. Hein, ici, le couloir, etc. Le grab qui est tenté par Green Team. Et en fait, ils sont mis dans un. Ils sont coincés dans un goulet d'étranglement terrible. Et en plus de ça, on a. Notre cher Garnet David qui s'est fait assassiner sur le flanc gauche par Kayle et Kha'Zix, je crois. Lucian. Bon, ça a été très rapide. Imp qui a été très bon. Oui, j'ai l'impression qu'on a fait un peu n'importe quoi du côté HQ. Là on a lâché le guidon, j'ai l'impression. On est trois dans notre jungle, mais on n'a pas de vision. On sait qu'il y a l'équipe justement Samsung White qui n'est pas forcément très loin. On a notre Ryze qui est sur la bottom lane. On sait qu'on ne pourra pas gagner le moindre trade de toute façon. Un petit grab. Voilà, on essaie de faire des choses au moins, c'est ça qui est bien. On essaie de poser la vision pour le Nashor justement, on essaye de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est Samsung. On essaie de buter le plus de Coréens possible avant d'être éliminé, je pense. C'est ce que je ferais. Si jamais il y a un grab qui passe, un peu comme sur Imp, hein, qu'on a vu Blitz qui avait réussi un beau grab, beau flash aussi de la part d'Imp, mais c'est tenté, ça a été loupé. Moi je trouve ça mieux justement plutôt que Turtle, en sachant très bien qu'on a déjà perdu, bon ils tentent des choses, ils font le beau jeu, c'est le spectacle aussi, c'est l'esprit Coupe du Monde. Oh là là, tu nous parles avec passion Domingo, ça me fait frémir, tout simplement. On va partir pour la prochaine partie, qu'est-ce que c'est la prochaine partie? C'est TSM contre TPA, une game super intéressante, on est dans le groupe B. Messieurs, il y a deux victoires, une défaite pour les TSM, une victoire, deux défaites pour les TPA. On a vu la défaite de TPA hier justement contre ces Américains. Est-ce qu'on pourrait avoir le match retour avec une petite surprise, peut-être une victoire de l'équipe de Taipei? Je pense que c'est envisageable. Je pense que c'est possible. Attention au Lucian de bébé, je pense, qui a vraiment été impressionnant sur sa Tristana. Ah, il a eu un petit peu de mal parce que je pense que c'est moins son playstyle. Lucian est beaucoup plus. Enfin, le jump de Tristana, je le trouve très long parfois, alors que Lucian permet des micro-moves à chaque fois. On peut tenter une petite agression, on tempo, on a un peu de CDR, on revient, etc. Et ça lui a vraiment plu, c'est bien pour son playstyle agressif, et je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose contre ça, justement, cette équipe des TSM. Alors, excusez-moi, messieurs, je vous coupe un tout petit instant. Amaury, en régie, si tu peux nous retrouver la petite game de hier entre les TPA et les TSM, ça serait formidable, on pourrait avoir quelques images, avoir les compositions d'équipe, etc., pour voir un petit peu si on pourrait avoir la même chose pour aujourd'hui. En attendant ça, je vous dis juste les matchs qu'on va shootcaster juste après TPA contre TSM. Il y aura les DP Dark Passage qui joueront contre les E,
DG, leur dernier match, leur avant-dernier match de la compétition. Et après, en dernier match, on aura les SK Gaming contre les TPA. Pour ces deux derniers matchs, je vois bien sûr un favori dans le match entre DP et Edward Gaming. Les Edward Gaming, deuxième actuellement de leur groupe A. Mais par contre, dans le dernier match, SK contre TPA, ça m'a l'air d'être encore plus serré que dans la game entre TPA et TSM. Il y a une victoire qui est prenable. Enfin, c'est la dernière. Enfin, c'est quasiment la dernière game des SK Gaming. Là, ils vont. C'est la dernière game des SK Gaming, excusez-moi, je dis n'importe quoi. L'avant-dernière, demain. Ah oui, c'est vrai, on est samedi. On est samedi, c'est vrai. Samedi, c'est bien. C'est utile en plus de ça. SK contre TPA, il faut absolument avoir une victoire là-dessus. Je pense que c'est plus accessible quand même du côté des SK Gaming, parce que les TPA ont plutôt l'habitude d'être... Ils n'ont pas l'habitude d'être hyper agressifs. Et justement, c'est ce qui convient au SK Gaming, c'est-à-dire avoir des phases de lane où on se la coule douce un petit peu, où Jesse's n'est pas vraiment sous une pression over 9000 par des super midlaners hyper mécaniqueux et compagnie. Et oui, on se rappelle de la game d'hier. Et c'était ce moment-là, justement, qui avait tout changé dans la partie. Très, très bon moment, mon cher Amaury. Merci pour ce moment. C'était le Drake, voilà, qui avait été volé de la part des TSM avec 5 kills qui avaient été récupérés juste derrière, avec 2 tours de récupérer. Enfin bref, un superbe move de la part des TSM qui avait quasiment conclu la partie dès la 13e minute de jeu. Un Xerath sur middle lane de la part de Bjergsen. C'est un des seuls justement qu'on voit jouer à peu près ce type de héros durant ce championnat du monde. Beaucoup d'assassins, on a beaucoup de picks un petit peu exotiques entre guillemets qu'on n'a pas forcément vu dans les LCS EU ou ENA durant toute la saison. Du Talon, nous on a vu quoi? On a vu la Katarina bien sûr dans la gamme précédente. On a vu du Fizz, du Zilean, du Zed, on a vu du Yasuo. Orianna ne marche pas trop, je trouve. Orianna ne marche pas trop, justement, ouais, toi qui es professionnel du Euro. Est-ce que c'est parce que c'est les équipes qui étaient un petit peu en dessous qui la choisissaient ou c'est parce que les synergies, les combos ne passaient pas forcément? C'est assez compliqué parce qu'après, on a eu quand même jeudi-vendredi où les midlaners n'étaient pas fous. On a vu par exemple Khorne qui avait fait quelques erreurs sur Royal Club. Morning aussi avec sa Syndra qui a l'habitude de bien la jouer là, qui n'était pas au top niveau. On verra, ce sera plus intéressant. Je trouve qu'il y a plus de midlaner placemaker encore une fois dans ces pools C et D, donc on verra comment c'est joué. Mais ouais, les Orianna, la Jesse's qui a été mis un peu au fond. En fait, maintenant, c'est très très agressif le style de jeu. Très souvent, justement, on a pu voir, si tu joues contre un assassin avec un Lee Sin en jungle, si t'as plus de flash sur un Ryze, sur une Orianna, sur une Syndra, c'est la game en fait. T'es sûr pendant les 5 minutes que tu vas te faire camp. Et ça a été le cas, il n'y a pas eu vraiment de précaution justement de la part de ces joueurs qui n'avaient plus leur flash et donc forcément une fois qu'ils sont au fond... Photo jungler encore une fois, le counter ganking etc. On manque de positionnement, manque de vision de jeu de la part de ces joueurs justement. Soyons pas trop sévères sur les junglers quand même. C'est pas les junglers, faut... Non, c'est... Ouais, les midlaners qui respectent pas vraiment le fait qu'on n'a pas son flash pendant 5 minutes, on est vraiment très vulnérable et s'il y a un point faible dans la game où on peut arracher un kill, partir sur un dragon ou une tour, c'est sur le flash qui est down de toute façon. Donc il faut vraiment être beaucoup plus prudent à ce niveau-là. Et pour terminer enfin avec le match qui arrive et le match des SK, ce sont tous les deux contre TPA. C'est très difficile tout de même, considérons cet élément, de jouer contre les TPA parce qu'ils sont chez eux dans leur ville et que le public, ce sont des malades. Une game super intéressante donc, plutôt équilibrée au niveau des pronostics. On se retrouve dans 30 secondes pour le début de la partie. A tout de suite sur la Clipsa TV. Et nous sommes de retour pour cette game entre les TPA et les TSM. Nous sommes déjà 1-0 pour les TSM, match aller qui avait été remporté hier. On s'en rappelle, mon cher Twix, rebonjour à toi, j'espère que tu vas toujours bien. Oui. Nous sommes dans cette troisième journée de championnat du monde. On a déjà les 6 bans de cette partie et ce sont très très intéressants. La bottom lane a bien été ciblée de la part des deux équipes. Du côté TSM, on a ciblé Zilean et Lucian, en plus du Alistair sur la top lane qui fait toujours peur. Et nous avons Nami Janna du côté des Taipei Assassins. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver sur la bottom lane. Peut-être une petite Lulu pour Lust Boy, c'est un héros qu'il affectionne particulièrement sur sa support lane. Mais on a le Brom aussi du côté des TSM. Et ça serait intéressant de voir jouer aussi cette Lulu, étant donné que ça donnerait un pic en moins du côté de Jay. La réaction, on la voit un petit peu, vous voyez les pics, on voit le Yasuo surtout du côté de Morning. Kha'Zix, Orianna, les deux derniers pics ici. TSM qui va définitivement se diriger vers une composition protect
The Care. Il y a des Protect the Turtle, comme on dit dans le jargon. Et c'est vrai que chez les TPA, on n'a pas vraiment d'énorme potentiel de dive pour atteindre cette Tristana derrière la backline. Donc déjà, 1, le Brome, 2, la Lulu, et 3, très certainement, la Orianna de Bjergsen, qui devrait être le dernier pic à tomber ici. Va la Syndra n'est pas tombée, d'ailleurs, du côté de l'équipe Taipei. Ah, ça, c'est assez étrange, étant donné que Morning, ça reste son main champion. On préfère partir sur un Yasuo qu'on n'a pas encore vu, je crois, dans ce championnat du monde. Un héros complètement... Si, on l'a vu. Avec Pawn. Oh, alors là, il était plutôt bon. Un héros game breaker, game changer complètement. On va voir comment il va se débrouiller dans cette partie. Voilà. L'Orianna du côté de Bjergsen, comme tu nous l'avais prévu, mon cher Twix. On aura donc une Tristana du côté de White Turtle. On aura le Brome sur Lost Boy. Le Lee Sin de Maisie, encore une fois, dans la jungle. Et Lulu sur Dairus, sur top lane. De l'autre côté, on aura Wins sur Kha'Zix. On aura J plus BB sur bottom lane. Thresh plus Twitch. Et on aura le Maokai de Hachi sur top lane. Sur quel joueur nous allons devoir nous concentrer dans cette partie? Ça va être plutôt un duel de mid laner, de bot lane ou de jungler? Chez les TSM, ça va être un... L'enjeu est très simple, il faut sortir le mieux possible de la phase de lane et se regrouper le plus tôt possible. Enfin, le regroupement devra se faire en synergie avec le power spike de Tristana, c'est-à-dire lorsqu'elle aura deux ou trois items. Ça dépendra un petit peu des phases de lane, mais il faut au moins IE plus statique très certainement pour qu'elle puisse sortir en pleine forme. Bjergsen va devoir être un véritable farm bot pour être capable justement d'être un danger relativement tôt dans la partie avec les shockwaves dévastatrices et ainsi être capable de justement poser des problèmes à ce Yasuo, pas dans le sens où il va vraiment lui poser des soucis sur la phase de lane, mais dans le sens où en phase de teamfight, il va falloir que Yasuo soit très prudent au niveau de son positionnement. La composition des TPA est très sympa dans une optique de front contre front. On a un Maokai, on a un Kha'Zix, on a une frontlane qui est assez solide. On a du bump avec Maokai pour pouvoir continuer avec le Last Breath. On a aussi le Flay, bien entendu, pour repartir là-dessus. On a le Twitch qui peut flank pour arriver et passer le Ratata. Lorsqu'on voit que la composition TPA, on est plutôt satisfait quand même. On a les équilibres, on a frontline, on a diver et on a backline. Ok. Mais du côté TSM, là où c'est cruel, c'est qu'on joue une composition qui est très classique, avec un jungler très fort en early game pour justement renforcer ses solo lanes pour qu'elles ne puissent pas en fait être complètement détruites par les jungles, beaucoup, enfin les combos jungle plus laner plus agressifs du côté des TPA. Et enfin sur la bot lane, on se la joue au safe mode 24 000. Ce serait pas hyper hyper étonnant de voir un swap de lane engagé par les TSM, parce que ça profite de la stratégie endgame, mais ils peuvent également prendre le 2v2 et tout simplement continuer de raser et encore raser la lane. C'est une partie pour White Turtle, pour Bjergsen, j'ai l'impression, justement, cette game. White Turtle, Bjergsen sont les éléments clés ici, mais on sait très bien que vu qu'il y a un Twitch, il faut quand même rajouter Lost Boy pour qu'il puisse bloquer le Ratata avec son Unbreakable. Grosse pression évidemment pour Lost Boy, mais il a l'habitude, ce support coréen qui nous venait de Neijing White Shield, si je ne me trompe pas. CGN2, excusez-moi. Nous allons partir. Donc dans cette game, on a la 40e seconde de jeu. Nous sommes en rouge du côté des TSM, l'équipe nord-américaine qui a fini première des playoffs, deuxième de la saison régulière. Les TPA, premier saison régulière, premier durant les playoffs. Ils sont d'Asie du Sud-Est. Ils sont actuellement à 0-1 contre cette équipe des TSM. Elles sont à la maison. Match retour. Et il faut gagner ce match pour espérer partir au quart de finale, pour espérer aller à Singapour, aller à Busan, en Corée du Sud, et pour pourquoi pas récolter Masbou. Boule, les amis, voilà. Pour commencer, clair et net. Tout à fait. On est en position défensive. Les trinkets ont été posés du côté des deux équipes. On est en train de regarder bien sûr les ouvertures de jungle. On voit la bottom lane TPA qui est dans son petit rebush. On aura un 2v2 sur la bottom lane. Et on va commencer red buff du côté de Amazing. On va commencer blue buff. J'ai l'impression du côté de notre Kha'Zix. C'est un petit peu étonnant justement. Normalement, c'est plutôt le red buff qui est préféré. Ça dépend du circuit qu'ils veulent adopter après. Commencer, vu que là, ils veulent pas. Il n'y a pas de swap de lane qui est engagé, tout du moins du côté de l'équipe de Kha'Zix, donc du côté blue side. Il faut toujours commencer. Enfin, le leash du carry AD et du support, ça n'existe qu'en solo queue. Bien sûr. En jeu compétitif, vous faites ça, vous tirez quand même une sacrée balle dans le pied, parce que vous allez arriver à la bourre
dans la lane et donc louper votre transition level 2, donc potentiellement la level 3, potentiellement la level 4 et potentiellement ultimement la level 6. On doit se faire aider de la part du soul laner, d'une personne justement, pour avoir ce petit leash et pour pouvoir faire son buff un petit peu plus rapidement et pour être dans des bonnes conditions, tout simplement pour effectuer sa jungle et pour pouvoir avoir la possibilité d'aller sur les lanes. Ça va être agressif sur cette bottom lane, j'ai l'impression d'essayer d'aller à level 2 le plus tôt possible. Petit avantage du côté des TSM avec la lane qui est en train de se faire push. Du côté de la mid lane, on est en train de push plutôt du côté de Morning, actuellement du côté des TP. On regarde cette bottom lane avec le Targon qui n'a pas encore été utilisé de la part de Jay. Premier petit stack, on attendra sûrement le canon et on attendra aussi le level 2. La grosse transition bien sûr. On va la regarder de près. Deux creeps pour les TSM, 3 du côté des TPA. Et en mode chez TPA bien sûr ça recule, faut rester à distance d'XP. Et sur ce mêlée là, transition level 2 maintenant. Et bien sûr les TPA sont au courant de la situation et sont donc largement hors de portée. Sur la middle lane, oui bien sûr. Sur la middle lane, ce matchup comment va-t-il se passer? Bah de manière très simple, Bjergsen va être très reculé et Morning va arracher le plus de CS qu'il peut en utilisant la pression de sa mobilité et de ses éventuelles tornades. Seule chose à laquelle, voilà, il va devoir faire attention au jungler. C'est vraiment la clé ici pour Bjergsen s'il veut tenter quoi. Très jolie tornade. S'il veut tenter quoi que ce soit, il faut que Amazing soit marche à nullis. Ah, c'est dommage justement. Joli. La trajectoire de la part de Amazing qui est retourné sur ses wolves alors qu'il était dans la river, qu'il aurait pu mettre un petit gank sur la middle lane. Il était bien bon avancé. Il était très bien avancé Morning et il avait un bon gank à réaliser. Dommage d'avoir été un petit peu trop passif dans cette early game. Ça aurait pu mettre un petit avantage pour Bjergsen histoire de faire claquer un petit flash ou un petit quelque chose à Morning. C'est pas grave, il retourne dans sa jungle. On continue justement tout le pass. On est sur ces petits Wraith actuellement. On va passer level 4. On va sûrement effectuer son premier recall et revenir avec de nouveaux items. Kha'Zix est en train d'effectuer à peu près la même chose. Il est sur le wolf, encore aucun gank du côté des deux junglers. On a la 4ème minute de jeu, du côté de la top lane un peu plus de CS, du côté de Dyrus 19 à 15 actuellement. On est parti sur une fiole du côté de Maokai, un autre Doran du côté de la Lulu. Oui Maokai qui joue la game du système d'attention. Amazing qui ne tagra pas avec la Sonic Wave et du coup Morning qui peut révéler à son équipe la présence du jungler adverse concernant Kha'Zix. Lui par contre il a effectué son back, il est parti directement sur la Spirit Stone, donc il veut continuer son circuit jungle et atteindre sa première évolution. Exactement. Le plus rapidement possible, ce qui va lui permettre finalement de passer au-dessus de Lee Sin en termes de confrontation one versus one, puisque précis bien sûr c'est beaucoup plus compliqué pour Kha'Zix de rebalancer les choses. Les timings ulti sont tellement important sur ce personnage. La Pink Ward qui a été achetée et nous avons deux balises de vision du côté du Kha'Zix. On va essayer de prendre le maximum justement de vision en début de partie. Et c'est une des spécialités tout de même des équipes asiatiques, justement la prise de position et réussir à snowball grâce à toute cette vision, réussir à cage, réussir à pick les adversaires. On est à la 5ème minute de jeu, on a une bonne balise justement puisqu'on aura normalement le timer pour le buff bleu. Et attention, c'est une bonne trajectoire qui est en train de réaliser Kha'Zix. Par contre, ça a été wardé de la part de Lost Boy. Est-ce qu'ils vont avoir les temps, le T SM de s'enfuir avec Tristana et avec un Wurm, normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Ils peuvent se la jouer encore défensif et de toute façon plus on augmente en termes de level, moins le potentiel de kill est existant, puisque plus on monte, plus Lust Boy va pouvoir se permettre de se placer tel Gandalf devant un Balrog. Et là avec l'Unbreakable qui va monter, la fissure glaciale, ben ça va être vraiment... Ça va être impossible en fait de gank cette bottom lane avec les jumps Tristana, puisque même le saut de Kha'Zix lui-même peut être interrompu par la fissure glaciale, ce qui est loin bien sûr d'être idéal. Et on voit la réaction de la part de Amazing qui s'est dirigé directement vers la jungle adverse. Il est en train d'effectuer les wolves, il va nous faire un petit wolf bleu justement et repartir sur le gros Wraith. C'est très bien joué de la part de Amazing puisque Winds était actuellement sur ses petits Wraiths et qu'il va trouver un dernier loup bleu tout simplement sur ce camp là un petit peu déçu j'imagine le jungler des TPA. On a même réussi à voler le gros Wraith de la part de Amazing, très bien joué au niveau du counter jungle. Il garde la vision dessus avec les wards qu'il arrive à diffuser par ici. Au niveau de la jungle, il y a définitivement un avantage conséquent pour Amazing. Par contre, et la Pink Ward qui est révélée. Dommage, il était à deux doigts de ne pas marcher sur ce badge. Et la Pink Ward, la première justement, qui vient d'être enlevée de la part des TPA. On n'avait pas de ward du côté de Amazing. On a préféré partir sur nos longsword, quelques consommables. On a toujours sa trinket. On a changé les trinkets du côté des deux midlaners. On est parti sur le scan du côté de Yasuo, du côté de la Orianna. Et on est parti sur un Kha'Zix d'Harmonie sur la Orianna alors qu'on a un match-up physique en face. Il ne sent pas le danger. Et il a tout à fait raison, je pense, de partir sur... Non pas un manque de respect, mais de partir sur lui-même, en fait, son sustain mana. On ne sait pas, il ne sait pas, à cette heure, à ce moment précis de la partie, on arrive bientôt sur la transition, enfin sur le repop des premiers buffs,
Il ne sait pas s'il va avoir accès à son full buff. Il ne sait pas comment la lane va se passer, quel focus il va y avoir. Là, déjà, première chose, le Kalis coûte moins cher que le protège poignard. Oh, l'agression directement de la part de Blersen. Vous avez vu avec la shockwave, on avait mis un windwall, mais pas très bien positionné la barre de morning. Et ça sera tout au final. On avait consommé les petites potions et on devrait rester sur cette middle lane. Premier ultimate utilisé sur middle lane, justement. Et avec raison. Bien entendu, il a réussi à le mettre relativement low HP, ce qui va lui permettre donc d'assurer son propre blue buff juste derrière. Ce serait très étonnant de voir Morning contest, surtout vu l'état de santé de Winds actuellement, Amazing Kitling, son propre raid également. Et les deux junglers vont se diriger vers leur second buff. Donc du coup, c'est Orianna avec le Kalis, ça ne lui posera aucun souci. Elle va justement être plus menaçante, je pense, dans ce format-là, parce qu'elle va avoir beaucoup plus de mana à jeter par les fenêtres. Q-spell sur Q-spell sur Z, oh, sur Q-spell. Oh, amazing, qu'avez vu la ward. Excuse-moi, ils sont prudents. Excuse-moi, parce que j'avais l'impression qu'ils ne l'avaient pas remarqué. J'aurais été un petit peu déçu. On a utilisé l'ultimate de la part de Morning directement avec la tornade qui avait été utilisée. C'est pas trop mal joué avec ce double dash aussi. Mais par contre, faut faire attention, amazing, elle n'était pas forcément très loin. On arrête le trade de la part de Morning. Bon trade de la part du midlaner TP1. Très bon trade, malheureusement. Il n'a pas fait le pas de plus pour aller révéler cette pink ward. C'est pas grave, il a sa propre pink juste en dessous. Une petite sweeping lens pour voir la vision. Oh, très bon grab de la part de Jay. Le support Singap pour rien. On va voir si ça va concrétiser quelque chose. Lost Boy. Hein. Trop compliqué avec un Lost Boy qui était juste devant à la porte qui avait été utilisée. On a mis le petit Z pour avoir l'armure et la résistance magique en plus du côté de la Tristana. Et puis après, on a réussi à s'en tirer sans aucun souci du côté de Wild Turtle. Mais bon grab tout de même de la part de Jay. C'est assez équilibré sur cette bottom lane. Pas encore de back qui a été réalisé de la part d'une ou de l'autre équipe. On est toujours sur l'épée de Doran du côté des deux carry AD. On a toujours aussi un Michoko du côté de Lost Boy. Et voilà, c'est l'agression directement. Très bien joué. C'est sur BB avec une belle lanterne de la part de Jay pour pouvoir sauvegarder la vie de son carry AD. Ça, c'était beau. Que ce soit du côté TSM que du côté TPA, on a senti la réactivité, on sent que les joueurs sont concentrés au maximum. Au maximum, oui, certes, mais on aurait quand même pu avoir éventuellement un buster shot de Trist ici, s'il avait été économisé. J'imagine que le timer arrive bientôt à expiration, il a l'air extrêmement rapide d'ailleurs. Le focus n'a pas été parfait, mais ça c'est certainement à cause du grab qui est passé sur Wild Turtle juste avant, justement Wild Turtle. Il faudra en parler après ce dragon, mais attention, c'est peut-être là le point faible des TSM. Dans la game numéro 1, c'était un Drake qui avait coûté la game au TPA. Peut-être que ça va être la même chose du côté des TSM. Ils sont en train de se regrouper. Il faut le buster shot, ce casse. C'est compliqué, ils sont en train d'effectuer les TSM. C'est parti avec justement les TPA qui ont pris un premier kill. Mais non, ce n'est pas les TPA, c'est Amazing qui a pris le premier kill directement sur le Twitch sur BB. Par contre, on a réussi à contester le Drake. On va pouvoir y retourner justement du côté des TPA. 1 pour 1 actuellement avec BB qui est mort du côté TPA et qui. Oh, Tyrus qui tente le 1v1. Et c'est le qui fait flash out côté TSM. Attention, Hachi. C'est compliqué. C'était chaud. Hachi qui a réussi à s'en sortir à 90 PV. Est-ce qu'on a réussi à faire le Drake du côté TPA? Non, personne. On n'a pas voulu. Personne n'a réussi à faire ce Drake. Et là où mon incompréhension est totale, c'est le positionnement de Wild Turtle. Vraiment gros point d'interrogation sur ce Fight Dragon. Il est tout simplement collé à côté du mur devant Kha'Zix avec son Buster Shot de disponible finalement. Et il ne l'a ni knockback ni rien du tout. Et Jay, donc avec son Thresh, a pu... Waouh, ok. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'est le facteur Bjergsen. Le 1v1 qui est pris et qui est gagné au final assez facilement de la part de Bjergsen. Ça fait plaisir d'avoir un joueur de cette trempe hein, quand on l'a dans cette équipe. Les fans TSM extrêmement mal, doivent vraiment être ravis de cette petite action puisque ça va sûrement débloquer un dragon pour Et voilà l'équipe donc TSM. La force de TSM, c'est le midlaner qui est extrêmement costaud dans tous les formats 1v1 et qui peut même challenge du midlaner chinois et d'Asie du Sud-Est pour la Corée. On n'a pas encore toutes les informations, mais je pense que l'escrime devrait bien se passer. De toute façon, il y a le Kodoko, coach master, qui est présent. Et on va voir si ça peut compenser la potentielle faiblesse de Wild Turtle dans cette optique, puisque Wild Turtle, depuis le changement avec X-Special, j'ai vraiment ressenti une différence de niveau en fait entre Lost Boy et son carry AD. Les déplacements sont beaucoup plus fluides, les placements de Wild Turtle sont très questionnables parfois il y a beaucoup de réussite avec des crits, parfois ça ne se passe pas du tout comme prévu, il se fait cache tout seul.
C'est vraiment un gros point d'interrogation ce Kyriade qui prend très très bon solo Q. Sur la top lane, on est en 2v1 hein, du côté de Dairus qui a mis un très bel ulti pour pouvoir un petit peu temporiser. Oh la ward! Oh la ward! Oh la ward! Fail le Amazing qui va se faire charrier sur les réseaux sociaux, j'imagine, avec cette ward qui a un petit peu bugué, j'ai l'impression. Il ne l'a pas mise derrière les arbustes et ça fait un kill récupéré du côté des TP. On n'est plus qu'à 1000 gold de différence. Un beau décal tout de même de la part de Morning. La Lulu était un petit peu surpris justement de voir débouler le Yasuo, j'ai l'impression. Ah oui, très très surprise, mais bon, il n'a pas été aussi surpris que lorsqu'il a vu la ward être mal placée à cause de la hitbox du mur. Je pense que les brimades vont s'enchaîner chez Team Solomid ce soir, une fois qu'ils seront rentrés un petit peu chez eux à l'hôtel. Parce que ce genre de move là, c'est la première fois que je vois un Lee Sin qui fail son escape parce que la ward qu'il a mis elle est devant lui en fait. Un peu trop stressé, Amazing, ouais. Peut-être. Hein. On était en train justement de discuter à propos de lui un petit peu en off. On vous en a parlé un petit peu aussi sur les plateaux. C'est compliqué de voir si justement Amazing a le niveau vraiment international, mondial, dans les meilleurs junglers. On avait dit que c'était un potentiel incroyable, bien sûr, quand il était en saison européenne. Mais maintenant, lors de sa saison nord-américaine, c'est un joueur extrêmement mécanique. Si on prend toute sa saison régulière, en fait, j'ai pas l'impression qu'on confirme en fait tout le potentiel justement qu'il y a sur Amazing. Si on prend toute la saison régulière, il a fait une seule victoire sur d'autres champions que Lee Sin ou Elise. Sur toute la saison régulière. Toutes ses victoires sont sur Lee Sin et Elise. Donc c'est un joueur qui est sur les junglers mécaniquement fort. Sur la phase de playoff, il a développé un nouveau pick puisqu'il était très limité à ce moment-là. Il a développé son Nunu avec lequel il a fait un 3-1 me semble-t-il. Et il y a eu Kha'Zix bien sûr qui a repop. Donc ça va, il arrive à suivre, il a abandonné Rengar, c'est une très très bonne nouvelle. Et donc du coup, il a une champion pool qui est correcte pour un jungler, c'est-à-dire qu'il a 3 picks supérieurs, 4 picks supérieurs, Lee Sin, Elise, Nunu et Kha'Zix bien évidemment. Donc il est bien dans le move. Est-ce qu'on peut justement se justifier un petit peu de l'abandon d'un champion comme Rengar justement actuellement dans la metagame, surtout quand on a un joueur comme Jackson qui joue Orianna merveilleusement bien? Oui, on peut se permettre de faire ce genre de choses tout simplement parce que Rengar c'est un effort de team c'est un effort de team mais vraiment aussi actif que passif. Il faut la vision, il faut contrôler sa propre la vision de l'adversaire pour éviter bien sûr qu'il voit les ganks de Rengar un petit peu à gauche à droite. Il faut avoir les bons timing ganks sur les bonnes compositions de duo lane pour que Rengar puisse mettre un bolai qui a un kill qui s'en suive. Enfin, c'est pas facile de sortir Rengar, on peut pas le sortir n'importe comment, à part si on est vraiment un dieu vivant et que l'équipe est totalement habituée à jouer avec, hence le cas de Star Wars. Attention, parce qu'on est en train de se regarder un petit peu dans les yeux hein, du côté des deux équipes. Il y avait un 3v3 en préparation, Kha'Zix était arrivé pour ganker la bottom lane du côté des TPA, mais il y avait la réaction avec Amazing qui est toujours là, justement dans le bush. Mais je pense qu'ils sont au courant, les TPA, ils sentent que ça pue la merde sur cette bottom lane et qu'ils vont se faire saucissonner. Edgy qui prend un très mauvais trade, étant donné qu'il n'y a plus la tour maintenant. Il a go un petit peu trop rapidement. Il y a Winz qui est là, ils vont pouvoir concrétiser un kill. Et non, puisqu'on avait l'ultimate du côté de Lulu, on arrive à mettre le ralentissement, on arrive à mettre aussi la rapidité, le movement speed prodigué par le Z. Très bien joué de la part de Dairus qui ne fait pas de mauvaise surprise lui. Ouais, non, Dairus c'est le recrutement le plus rentable de TSM. Ça fait maintenant quoi, 3 ans qu'il est chez eux depuis la S2. Et enfin, c'est il est génial déjà au niveau de la communauté, bien sûr. Il a un profil qui est très accrocheur, on va dire ça comme ça. Alors dis-moi si je me trompe, parce que je connaissais pas forcément trop Dairus vraiment avant, aussi dans la première saison, etc. Mais est-ce que c'était un joueur qui était aussi régulier que ça? Parce que moi j'ai vraiment découvert en showcastant quasiment la majorité de ses games durant les LCS et cette année. Et bien j'ai eu l'impression que c'était le maître même de rigueur. Il était le même, mais il est toujours resté le même. Avant, Dairus c'était Nasus et surtout Singe en fait. Il était connu pour jouer Singe top lane en saison 1, particulièrement World Championship, et spammer les mots rire en face de lane. Donc c'était juste un cauchemar total de lane contre ce type. Et il a toujours été dans cette attitude, oui, du petit tone comme ça, on fait les games parce que je suis fort, parce que je sais ce que je vaux. Il a toujours gardé cette confiance en lui. Et bien sûr, il s'est largement professionnalisé, puisque en saison 1, on ne peut pas réellement parler de championnat du monde. Parce qu'il y avait
quoi, deux équipes qui sortaient, on va dire, de l'Occident. Il était toujours aussi solide en tout cas dans les compétitions officielles. Il était solide et on parlait toujours autant de lui. Enfin, on parle beaucoup plus de lui aujourd'hui, mais c'était un élément clé de son équipe Epic Gamer à l'époque. C'est mérité. Dans laquelle il y avait double livre d'ailleurs. Étant donné qu'il est top laner d'une des meilleures équipes nord-américaines, si ce n'est la meilleure, 86%. Enfin non, une 86% de pronostics de victoire du côté des TSM. Il y a une grosse communauté évidemment, mais n'oubliez pas qu'on est à Taipei, qu'on est dans le fief justement des TPA et qu'il n'y a que 3000 gold d'écart entre les deux équipes, même pas 2900, et que le prochain dragon pourrait changer tout le cours de la game. Attention, bien sûr. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les fans TPA n'utilisent pas Twitter. Parce qu'effectivement, vu qu'ils sont chez eux dans leur ville et qu'ils sont plus nombreux, je pense, à mon avis, le vote Twittos, il devrait être l'avantage des TP. Attention ici, langage furtif de bébé. Et les premiers trails de pré-dragon qui ont l'air plutôt de glisser le côté TSM, hein, soyons honnêtes. Ah, le bon poking de la part de Mons, comme on a pu le voir avec le Z justement amélioré. Un petit level d'avance hein, par rapport à Amazing justement dans la jungle. C'est assez étonnant de voir Win justement avec un level supplémentaire par rapport à son opposant dans la jungle. Il a bien farmé dans sa jungle. C'était un bon choix justement j'imagine de sa part, même si on l'attendait un peu plus sur le court counter ganking. La Lulu qui est toujours en train d'enfoncer sa top lane, 40 CS, 30 CS d'avance par rapport à Maokai. Troisième tour en préparation, bientôt pour les TSM, elle est à très low HP. White Turtle va se faire un plaisir bien sûr de la détruire. Et on est donc à 3 tours, ils les 3 premières tours T1 du côté des TSM. Ça se regroupe à la 17ème minute chez les TSM, ce qui est relativement tôt vu leur composition. Mais leur phase de lane s'est vraiment déroulée à merveille. Et là je pense que s'ils ont décidé de sortir de la phase de lane, c'est qu'ils s'estiment suffisamment puissants pour commencer à groupe et jouer à 5. Bjergsen est top farm de la map, Dairus est juste derrière. Ils ont des kills, ils ont le premier Drake. Non, ça a été contesté. C'était TP. Oui, personne ne l'a fait au final. Si, si, c'était SM qui est revenu derrière parce que Bjergsen a fait un solo kill. Attention, le team fight avec l'agression sur Jet directement. On a eu l'ultime de la part de Brom. Le kick de la part de Lucine sur Wins. Ça ne concrétisera pas un qui est par contre dans une très mauvaise situation. Bébé qui est très loin HP actuellement. Morning qui est en train d'arriver avec Sonya sous level 12. Il peut changer tout le cours du team fight. Il y a Edgy qui est en front line. Et qui ne peut rien faire. En grosse sauce. Qui est retourné, on a vu le clic justement pour retourner à l'affront de ces 4 joueurs TSM et ce n'est pas possible. 2 joueurs qui sont morts du côté TPA et nous allons faire le Drake du côté des TSM. Ce sera donc le deuxième Drake apparemment de la partie avec plus de 5000 gold maintenant d'avance pour l'équipe nord-américaine. Deuxième Drake, donc ça signe peut-être ce move là, la deuxième place du groupe. Ça signe très certainement la deuxième place du groupe. Attention à Morning Coin qui va commander. Va rien faire finalement, mais qui aurait pu commencer l'agression face à Bjergsen. Attention, Dairus qui était Dairus est très très fort, justement. Double Glitter Lance, le slow qui passe par-dessus, vu que ce sont des mages auto-attaqueurs. Lulu, Orianna, également Brom. Enfin, attention, le focus mono-cible. Et voilà, il y avait toujours la Wild Rose qui était disponible. Le focus avec le stun maintenant de Tristana qui prend un kill, qui jump, qui va certainement reprendre un deuxième dommage, qu'il est mal claqué. Oh, son premier jump. Du côté des TSM. Oh, le Buster Shot qui était passé. Le flash in, il l'a. Malheureusement, ça aurait pu faire triple. Dommage, Walt Antel qui s'est précipité sur son premier saut alors qu'il avait déjà tué l'adversaire, bien sûr. D'ailleurs, ce qui était très très fort, hein, comme tu disais, j'avais un petit peu peur parce que j'avais l'impression qu'il ne regardait pas forcément. J'ai eu un moment de battement justement où Jay est passé à côté de la Lulu. Ouais. Lulu est passé à côté du Thresh, se sont un petit peu regardés, se sont dit bonjour et puis après, ils se sont pas tapés dessus directement. Et il y avait le Kha'Zix qui était juste derrière, mais on avait toute la compagnie, bien sûr, TSM qui était Il sous-estime gravement Dairus dans cette partie-là. Il est extrêmement puissant, il a fracassé sa top line, hein, à lui tout seul en plus. Et Lulu dans cette condition-là, à ce stade-là de la game, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont envie de se regrouper très rapidement parce que Maokai n'a pas réussi à stacker encore, il n'est pas encore assez fort, n'arrive pas vraiment à tanker et veut se faire déjà kiter. Leur combo double AP est à maturité tout simplement, la bolt lane s'en est très très bien tirée et dans la jungle c'est assez honnête aussi, il n'y a qu'une seule mort, bon à déplorer, mais bon, c'est pas la fin du compétitif. On est à la 21e minute de jeu, on a Rabadon, Granimpi d'Athènes sur sa top lane, je peux vous dire, on est bien. Là, il n'y a pas vraiment grand chose à faire quand même du côté TPA. Il faut arracher des tours, essayer de trade en fait. Là, les TPA ne doivent plus fight, ils doivent trade. C'est-à-dire que lorsque les TSM vont se diriger vers une tour, un dragon, un baron ou autre chose, bon, un baron, on va le mettre de côté. Lorsqu'ils vont se diriger vers un objectif, par exemple un bœuf bleu, il faut que les TPA soient présents pour répondre avec autre chose sur la map. C'est la seule façon de revenir dans cette situation. Problème, il manque un peu de mobilité par rapport à la composition TSM. Il manque de mobilité et moins on a de mobilité, plus on doit pré-shot ce que va faire l'adversaire. Plus c'est compliqué. Donc. Plus c'est compliqué. Mais avec White Turtle qui est topside, Lulu qui est botside, là par exemple, s'ils se regroupent directement en mid et qu'ils forcent la T2 en divant comme des porcasses Bjergsen, le Sboy ou Amazing ou toute personne qui se... mais en travers de leur chemin, ça passera. Mais vous voyez que
là les TPA sont plus dans un schéma de décision individuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'un joueur voit une lane, il n'y a personne, merde, j'y vais. Et du coup il se positionne là-bas et du coup ça ferme d'autres opportunités sur le reste de la map. Ça crée le déséquilibre. Voilà, et pour les TSM c'est une aubaine incroyable parce qu'il y a Walter Tull qui speed push solo top. On a Lulu bottom et maintenant eux ils vont se regrouper avec une Lulu qui est beaucoup plus mobile, bien entendu, qu'un Maokai. Il avec le téléport en plus, le Maokai ne l'a pas, ça fera du 4v5. Anyway, du côté des TPA, ça décide. Vous avez vu le déplacement ici, le teamfight. On va prendre le 4ème tour. Normalement, c'est pas trop mal joué de la part de G. Un double flay qui va toucher Orianna et Lost Boy. C'est pas mal, ils sont à l'HP, mais la belle shockwave de la part de Bjergsen qui va permettre de prendre le kill White pour Turtle. White Turtle. Un premier mort sur BB, G suivra. Et peut-être une troisième mort avec la Lulu qui était pas loin, elle avait réussi à mettre son bouclier, le petit pic, c'est justement avec la Glitterance qui aurait pu partir. Ça fait deux kills supplémentaires, une cinquième tour au final pour les TSM puisqu'on avait pris la T de middle lane juste avant. Écoutez, c'est parfait. Ouais, ils sont en train de montrer un jeu très solide, très fermé, une composition très classique aussi. Des bonnes décisions dans leur ligne, voilà, avec le regroupement. Des bonnes décisions, des phases de lane extrêmement solides et toujours du solo play. On est parti, voilà, sur Hachi directement. Attention, on a mis cette in de la part de White Turtle. On avait été un petit peu trop loin, mais c'est pas grave, on arrive à récupérer le kill. Il n'y a aucun problème. 216 du côté de la Lulu, 224 du côté de la Orianna. On est à 199 du côté de White Turtle qui est à 5-0-3. Qui caisse beaucoup encore une fois aujourd'hui. Hein. C'est son rôle. C'est son rôle. De toute façon, les kills doivent aller à Tristana. Parce que plus elle a d'items, plus vous assurez la victoire, hein, finalement. Au-delà de tous les autres picks dans l'équipe, une Tristana 6 slots, c'est pas stoppable en fait, ça peut quasiment... D'ailleurs, j'ai envie de rigoler un petit peu, j'ai l'impression, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va peut-être se faire tuer, oh, oui, ça va être sûrement ça, Dairus qui s'est fait ulti de la part de notre ami Yasuo, ça ne sera pas possible pour lui de s'enfuir. Troisième kill récupéré du côté des TPA, avec un premier du côté de Wins, qui est le seul à ne pas avoir mouru dans l'équipe Singapour, dans l'équipe de Taipei. C'est vrai. Bon après... un Kha'Zix, c'est furtif, ça saute vite. Bon, on peut comprendre qu'il soit le plus légitime à ne pas avoir de décès à son actif. Disons ça comme ça. Le Repop Red Buff s'est pris en vision. Oh, attends, c'est un trap. OG l'a fait échec engagé de l'enfer. Oh, ça va être compliqué, bien sûr. Ça stun tout de même. Et le deuxième QSP, il devrait celui-là. Et White Turtle qui arrive avec un petit Zedin et qui prend le kick directement. Edgy, oh, le kick flash de la part de Amazing. Ça, c'était pas mal du tout. C'était très bien joué de sa part. Il essaie de s'amuser. L'exhaust directement sur Morning. Morning qui ne peut rien faire et qui est complètement en train de se faire défoncer. Triple kill récupéré du côté de White Turtle. 8-0-3 maintenant. Oh, c'était sympa ce que nous a fait Amazing. Très sympa ce que nous a fait Amazing. Et aussi Lost Boy. De toute façon, la signe. Brome, ça excelle dans ce genre de situation d'escarmouche. Le passif est tellement fort, le slow est tellement puissant, l'unbreakable, lorsque vous êtes en team v team, l'unbreakable c'est un truc qu'on peut dépop, mais quand vous êtes à 3, il met sa porte, t'es là, non, je ne peux pas vraiment faire grand chose avec toi. Et le Z aussi avec la magic resist, l'armure, enfin, c'est si on a de bons escarmoucheurs, de bons skirmishers à côté d'un Brome, c'est un véritable carnage, vous l'aurez compris. On est qu'à la 4ème ligne de jeu, ils sont devant leur public et pourtant ils sont en train de se faire complètement violer. On regarde encore une fois cette escarmouche en 2v1 pour le moment. White Turtle qui va prendre le petit kill avec un critique et puis après kick flash directement. Et là contre un Maokai, c'est terrible, le stun de Brome, le slow de Brome, la glacial fissure qui est super bien positionnée, même au-delà de ça, hyper bien positionnée parce que il y avait bien sûr le Kha'Zix qui essayait d'être dans le fight. De l'autre côté, Twitch qui était pas très loin, mais il y avait une pink guard qui était bien positionnée juste devant eux, donc ça les a révélés. Enfin, c'est un contrôle total vraiment de la vision et de l'environnement dans lequel les TSM évoluent et donc veulent combattre. Ils ont un contrôle total, vraiment. Ça doit être la déception pour BB avec son Twitch, il n'aura rien pu faire durant toute la game. 0-3-0 actuellement, la BRK, la Yumu qui est bientôt là aussi. Mais c'est trop dur pour le meilleur joueur sud-est asiatique avec son équipe. Ils vont devoir s'incliner dans ce match aller-retour. On est à 14 000 gold de différence entre les deux équipes. Elle a 25 et 1 de jeu. C'est comme s'ils étaient 10 en face et ils n'étaient que 5. Comme s'ils affrontaient une équipe de foot alors qu'ils étaient une équipe de basket sur du baseball. Et ils n'ont pas plutôt compliqué. Et ils n'ont pas de Tristana. Parce que Tristana au baseball est très très fort. C'est vrai. Et Trundle aussi. Trundle aussi. On se demande. Attention, shockwave sur deux personnes sur BR, sur BB, sur Wins. Wins qui va mourir, ça va être sa première mort justement de la partie. Spectaculaire, et on refait un petit Zedin de la part de White Turtle. Il s'est fait move speed up de la part de la Lulu. Oh, le kick, coup de pied frontal
de Mazing. Coup de pied rotatif. Et les TSM qui vont donc prendre cet inhibiteur avant de se rabattre sur Najor, sauf s'ils veulent terminer la game, ce sera leur décision. Cette shockwave de Bjergsen était exceptionnel, très très belle chose. Sur on le est parti fil directement de la part de Edgy, il est dans 5 personnes avec son ultimate, il a essayé avec Morning bien sûr de faire des choses, mais c'était pas possible, ils sont 5 maintenant contre plus personne. C'est la fin de la game, on va décider de prendre les tourelles et ce sera la deuxième victoire des TSM contre les TPA. Le match aller-retour aura été gagné. Wilderton qui meurt, voilà mon coco. Très bien TT joué. TT à 11-06. Et t'as foutu le bordel, c'est terrible. Il a voulu faire malin, mais c'est la victoire pour les TSM et c'est le principal, les amis. 3 victoires, 1 défaite, la seule contre les Star Horn Royal Club. Ils ont hâte de prendre leur revanche, mais je vous annonce déjà les qualifiés pour ce deuxième groupe. Ce sera l'équipe chinoise de Star Horn et ce sera les Américains de TSM. Les TPA et les SK Gaming sont donc éliminés et ne peuvent plus remonter mathématiquement aux deux premières positions. Ah, puisqu'on est sûr. On est sur 4-0-3-1 avec 4-0-3-1 avec 1-3 et 0-4 avec justement les TPA. Même s'ils gagnent contre Star Horn et contre SK Gaming, ils vont faire 3-3. Si les TSM perdent et qu'ils font 3-3 aussi, eh bien le match aller-retour entre les TPA et les TSM est à l'avantage des TSM, donc du coup eh bien, ils ne peuvent plus espérer la deuxième place. Nos deux qualifiés dans ce groupe B, on espère bien sûr que ça ne va pas entacher les futurs matchs que nous allons voir dans ces groupes, puisque le spectacle, ça m'étonnerait, puisqu'on va revoir les TPA jouer aujourd'hui, et vu qu'ils sont bien sûr à leur domicile, ça m'étonnerait qu'ils partent sur de la Timo Game. Félicitations au Team Solomid pour leur performance jusqu'à présent, et surtout performance du midliner qui pour moi dans cette partie aura été absolument fantastique. Bjergsen, le Yasuo de Morning n'était pas vraiment au point. Mais en même temps, la game a rapidement penché. Ah, j'aurais préféré la Syndra encore une fois. Et pourtant, tu sais, il sait bien la maîtriser. Le Yasuo là a été plutôt moyen. De bonnes agressions quand même de la part de Mazing. Il a plutôt bien géré la jungle adverse. Aussi un bon counter jungling. Même si à un moment, on l'a senti un petit peu en dedans, justement, dans la partie. La composition TPA était cool sur le principe, mais bon, mi bout à bout, c'est vrai que c'est une composition qu'on ne peut pas sortir dans n'importe quelle situation. Et certainement pas. Et j'imagine que c'est là qu'ils ont perdu la phase de Pikaban. On ne sort certainement pas du Yasuo Twitch contre Braum plus une composition Protect the Hyper Carry. Enfin, c'est idiot. Yasuo est certain samouraï. Mais bon, ce n'est pas, encore une fois, une ce n'est pas Tom Cruise. Une phase de Pikaban qui ne s'est pas très bien passée. Voilà. On vous rappelle que ça joue beaucoup, évidemment, avant de rentrer dans la partie. Énormément. Ces compositions, ça joue pourquoi 40%, 50% du résultat final. 50-60. 50-60%. Rendez-vous compte un petit peu. Pensez-y. Ah oui, les champions. En solo queue, ou même quand vous faites des parties compétitives avec vos amis, je ne sais pas, peut-être que vous êtes inscrit à l'Asus Rock Tournament d'ailleurs tous les mercredis, vendredis sur l'Eclipsia TV. On vous le rappelle. Nous vous shootcastons aussi cet événement sur l'Eclipsia TV. En attendant le prochain match d'aujourd'hui, les amis, on va partir pour le cinquième. Il sera shootcasté par Domingo et DMG. Je vais reprendre ma respiration pendant la page de publicité. On se retrouve juste après. Pensez aux réseaux sociaux comme d'habitude, hashtag Eclipsia, pour venir communiquer avec nous, pour venir nous poser quelques questions. Ça nous ravit, ça nous met de très bonne humeur comme d'habitude. Le championnat du monde continue jusqu'au 19 octobre. Let us talk a little bit about this very important game, because they came out with some strong bans there, the Nami, the Rumble and the Janna come in. How did that affect? Je bougeais tout à l'heure. He had a really good showing on Braum and Dire still had a great showing on Lulu. So alors nous revenons bien sûr pour faire retour. Un interview de Jackson. Tell me, what did you think of the composition they eventually came out with, which was their plan, and how the early game went for you guys? Que penses-tu de la composition avec laquelle les TPA sont sortis dans cette phase de Pikaban? Leur composition était assez bonne, extrêmement différente. Ils voulaient miser sur le flank pour pouvoir jumper sur une personne isolée. Mais on avait beaucoup de boucliers, beaucoup d'outils défensifs. Donc ils ne pouvaient pas vraiment lancer leur stratégie de pique et leur composition n'a pas fonctionné. You said something here before that wasn't as positive. Well, obviously, it's really awesome to have qualified and be able to go to the quarterfinals. Je suis très content de qualifié. I wouldn't really say it's much of an achievement to go to quarterfinals if you're going to play against White anyway. So jouer avec mes potes au quart de finale. Go big or go home.
Go big or go home. Les mots finaux donc de Bjergsen sur cette question. Est-ce que tu t'es senti outclassed, donc complètement battu à plat de couture contre l'équipe Star sur la middle lane sur l'équipe Star Horn, ou est-ce que c'était vraiment un problème de team? On a eu un mauvais plan en allant dans cette partie, on a eu de mauvais picks et c'est un petit peu parti à partir de là sur Bonne réponse, parce que c'était pas du tout de sa faute à Bjergsen. Sorry? Your growth margin, you can see yourself going if you face off against these best mid laners. Où est-ce que tu te vois progresser après avoir affronté tous ces mid laners, tous ces top mid laners au monde? One of the best teams here, maybe even the best team in the world. So I would love to face up against Y in the finals. That's pretty much my dream for now. Son rêve pour le moment, c'est d'arriver en finale et de réaliser la finale du World Championship 2014 contre les Samsung Wild qui sont pour Bjergsen Sørenbjerg, midlaner de l'équipe TSM, la meilleure équipe dans ce tournoi. Et bah pour beaucoup de monde aussi, hein, il n'est pas le seul, le Bjergsen justement. On notera que la Shox est toujours aussi jolie, hein, évidemment, avec son petit collier et sa robe rouge. On attendra avec impatience une nouvelle interview, ça sera après la page de publicité et peut-être après la prochaine game. On se retrouve juste après sur Eclipsia TV pour le plateau analyse qui débriefera la game précédente, c'était entre les TSM et les TPA. Tout de suite.
We'll be right back.